Vous voyez le partage? Oui, Merci. monsieur. C'est clair. T'as ma fille, Mao? Oui, monsieur. Ben, c'est bon. On va commencer par la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quel jour? Qui va parler? Hein? Oui, Adam. Oui, Adam. Oui. Monsieur Ryan. Adam, viens, on travaille. Hein? Jeudi Hein? 4 novembre Hein? 2021. Donc, jeudi, c'est 4 novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a vu hier soir? Qu'est-ce qu'on a vu hier soir? Donc, Monsieur, une bague. on est arrivé, on a commencé hier soir le module numéro 2. On a dit ce thème, c'est communiquer Communiquer. avec les autres, c'est clair? Oui, monsieur. Voilà, on a vu les moyens de communication, la téléphone portable, le téléphone portable, pardon, la radio, le journal, la télévision, tout ça, Limbad. ce sont des moyens de communication. On a vu ça hier. Et après, on a vu les déterminants. C'est clair, est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, Voilà. Voilà, on a vu que les déterminants démonstratifs servent à montrer quoi? À montrer quoi? Qui va retenir? Aïe, Marine Ben Amar, Le aïe. déterminant Hein? Serre. À montrer à montrer personne. une personne Un objet. Hein? Lieu. C'est clair, donc sert à montrer. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire le verbe montrer? C'est clair, montrer. Voilà, montrer. Donc, on montre avec le doigt quelque chose qui est loin, qui n'est pas proche de moi. Sert à montrer une personne, un objet, un animal ou un lieu. C'est clair? C'est clair, monsieur. Oui, monsieur. On passe. Deuxième, qu'est-ce qu'on a dit à propos de ces déterminants démonstratifs? En total, combien nous avons de déterminants démonstratifs? Le nombre de déterminants. Déterminants. Bravo, nous Quatre. avons quatre déterminants. Ce avec CE s'utilise devant quoi? Non Prénom masculin masculin singulier. Qui commence par une consonne. Consonne. On a vu que ce, j'utilise ce devant un nom masculin singulier qui commence par une consonne. Sept. Oui. Sept avec un seul T. Un homme masculin singulier qui Non. commence par une voyelle. Par une voyelle. Donne-moi un exemple ici. Qui donne un exemple ici? Un nom masculin qui commence. Oui, Tansi. Tansi. Cet homme, bravo. Cet animal, cet oiseau avec un T parce qu'il commence par une voyelle. Sept avec deux T devant un nom. Marie, allez-y, Marie. Voilà, devant un nom féminin, singulier. Cet C,
C'est on utilise c'est devant, devant féminin et masculin, masculin pluriel. Pluriel. Donc j'utilise devant les deux, que ce soit un nom masculin ou bien féminin, l'essentiel ce nom doit être au pluriel. Oui. C'est un masculin et féminin au pluriel. Hey, hey. Donc j'utilise c'est devant un nom féminin ou bien un nom masculin au pluriel. L'essentiel, ce nom doit être au pluriel. Je dis c'est fille ou bien c'est garçon. C'est clair? Fille, c'est un nom féminin au pluriel. Ou garçon, c'est un nom masculin pluriel. Mais j'utilise c'est. Dans deux les cas, j'utilise c'est au pluriel. C'est clair? Oui, monsieur. Bravo. Bon, voilà, cette vidéo va faire vous rappeler de tout ce qu'on a vu hier soir. C'est clair? Voilà, regardez. Dans la famille des déterminants, je demande les démonstratifs. Les démonstratifs servent à montrer une personne, un objet, un lieu, un animal que le nom désigne. On peut aussi l'utiliser pour faire référence à une chose dont on vient juste de parler. Il y a 4 déterminants démonstratifs. Ce, cet, cet, ce. Ce, ce s'utilise devant un nom masculin au singulier. Ce garçon, ce cheval, ce mot, ce nombre, ce animal. Ah non, là, il y a un problème. Ce animal, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que animal commence par une voyelle et que ce se termine par une voyelle. De ce fait, pour éviter ce petit problème gênant à l'oreille, on utilisera alors le déterminant. Clair. Donc, un animal commence par A ou A, c'est une voyelle. Et le ce commence par, se termine par une voyelle. On ne peut pas dire ce animal. J'ajoute le T pour enlever ce problème. Ça devient cet. Cet animal. C'est clair? Je n'ai pas ce animal. On dit. Voilà. C-E-T. Le T de 7 fait une barrière entre les deux voyelles et on l'utilisera devant un nom masculin au singulier et qui commencera par une voyelle. Cet ami, cet ours, cet élève, cet indice. Le problème de ce 7 CET, c'est qu'on le confond souvent avec 7 CE de TE. Pourtant, la différence est simple. 7 CET s'utilise devant un nom masculin et 7 CE de TE s'utilise devant un nom féminin au singulier. Cette fille, cette page, cette oie. Comment ça, cette oie? Oie, ça commence bien par une voyelle. Et pourtant, on a cette qui se termine par un e. Pour trouver une réponse, il faut s'intéresser à la phonétique. Phonétiquement, cette ce de te se termine par un t. C'est-à-dire qu'en fait, on le prononce 7 et pas 7 e. Le e qui est au bout de 7, on ne l'entend pas vraiment. Alors que ce, ce, phonétiquement, se termine par un e, à l'envers, mais un e quand même. Et là, on l'entend bien, ce. C'est pourquoi on trouvera toujours 7 ce de te devant un nom féminin, qu'il commence par une voyelle ou une consonne. Nous venons de parler des différents cas au singulier, parlons maintenant des cas au pluriel. Qu'il s'agisse d'un pluriel mélangeant plusieurs noms masculins ou plusieurs noms féminins, ou qu'il s'agisse même d'un mélange entre masculin et féminin, on utilisera dans tous les cas C, CES, ces femmes, ces hommes, ces animaux. C'est clair, toujours, ces objets devant un nom, que ce soit féminin ou bien masculin, l'essentiel, c'est ce nom doit être au pluriel. C'est clair, je dis ces filles, oui. Ces garçons, voilà. Voilà, ça, la vidéo résume ce qu'on a vu hier. C'est clair? C'est clair? Oui, monsieur. Oui. C'est clair. Ben, oui. Voilà, on va commencer, on va faire le premier exercice. Donc, qui va lire la consigne? On va faire monsieur, Tassni. Oui, Tassni. Monsieur Rayan. En fait, pas le déterminant démonstratif qui convient. Voilà, donc vous allez compléter les phrases ou bien chaque phrase par le déterminant démonstratif qui convient, ce ou bien cette, cette avec un seul T ou bien c'est au pluriel. Montrez-moi, Rob, s'il vous plaît, trache sur les ardoises, vite.
Sur les ardoises. Hey, hey, prenez les ardoises, vite. Les ardoises. Hey, les ardoises. نسي نكتب الجملة كلها لا لا سيلمون لي ديتيرمينون ديمونستراتيف مونتري موا روب سيل فو بلي كيسك جيكري سو سي او بلوريال سيت افيك ان سول تي او بيان سيت افيك دو تي هاي سي ديدي وي انا كمان ما حبيت نستخدم عندي كيفاش؟ ما حبيت نستخدم نكتب هلا وي وي Adam qui est en train de parler. Là, Ayoub. Ayoub, qu'est-ce que tu as, Ayoub? Mon caméra a problème. Ben, Michel, ça ne fait rien. Ah, voilà, on va. Ah, levez les ardoises. C'est moi, Maria. Attendez. Ah. Moi, Maria. Ayoub, Ayoub, qu'est-ce qu'on peut écrire? Ayoub. C'est, monsieur. Hein? C'est. Voilà, 7, bravo. Moi, 7 robots, s'il vous plaît. Oui, 7 robes. Ayoub, comment s'écrit 7? Fais attention. S-E-T-T-E. Ayoub, il va épiler le mot lettre par lettre. Allez-y, la première lettre, c'est quoi? Ayoub. Monsieur, c'est... C, bravo, bravo, attends, C. Donc, la première lettre, c'est C. Deuxième lettre. E. E. Troisième. T. 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 Hein? T. T. E. E, bravo. Pourquoi tu as dit 7? Tu n'as pas dit ce, par exemple. Car robot et non, c'est Rob, Rob, Rob. Ayoub, pourquoi tu as dit 7? Ce n'est pas car robe, c'est un nom féminin. Féminin singulier, donc j'utilise, voilà, robe, c'est un nom féminin. Robe, ce n'est pas robot, robe, cette robe, parce que robe, c'est un nom féminin singulier, c'est clair? Comme parce que la carte termine. C'est clair? Parce donc, que... lis la phrase maintenant, Ayoub. Oui. Ayoub, lis la phrase. Montrez-moi. Montrez-moi cette robot, s'il vous plaît. Rob. Cette robe, s'il vous plaît. Voilà, bien. On passe à la deuxième. Avion est très grand. Qu'est-ce que j'écris? Allez-y. Monsieur, avion. Cet avion, parce que nous voyons. Attendez, écoutez. Donc, attendez vos camarades. Ah, voilà, Ayoub a trouvé la solution, elle écrit sur le message. Bravo. Monsieur, levez les ardoises. Je vais voir les ardoises. Marie, ça va. Fatma. Adam, qui d'autre? C'est juste moi. Ah, on va voir, on va vérifier. Ayoub, ça va. Aïe, Rayan Bindaoud. Ça va, Rayan? Ryan, ouvre le micro, oui, Ryan. Monsieur. Allez-y, ça va? Oui, monsieur. Allez-y, ça va. Voilà, tu vas faire la deuxième phrase. Hein? Cet avion est très grand. Qu'est-ce que j'écris? Tu vas épiler le mot. Hein? Cet. Hein? Hein? La première lettre, c'est quoi? C. C. E. E. T. T. Un seul T ou elle est bien deux T? Deux T. Pourquoi deux T? Ryan? Oui, monsieur. Pourquoi deux T ce n'est pas un seul T? Qu'est-ce que je dis? Un avion ou bien un avion? Un avion, monsieur. Un avion. Donc, c'est un nom masculin singulier. Ben. Mais ce nom masculin singulier, regarde, par quoi commence ce nom masculin singulier? Par quoi commence? Ah. Ah, ah c'est quoi? C'est une... Voyelle. Ah, voyelle. Voyelle. Donc, j'ai dit sept avions avec un seul T. Donc, aïe, Ryan.
Lis la phrase. Cet avion est très grand. Cet avion est très grand. Donc, j'utilise cet avec un seul T parce qu'avion, c'est un nom masculin singulier qui commence par une voyelle. C'est clair? Oui, monsieur. C'est clair, monsieur. Bravo. On passe à la troisième phrase. Chat a faim, il miaule. Ajoutez le déterminant qui convient à cette phrase, la troisième phrase. Donc, je vais voir la... Voilà. Faites attention, Ayoub. Qu'est-ce que je dis? C'est juste. Aïe, Abdelrazak, aïe. Levez les ardoises tout d'abord. Aïe, levez les ardoises. Ryan. C'est juste, Maria. Voilà. Aïe, Elif, lève ton ardoise. Elif. Oui, monsieur. Hey, l'ardoise, où est ton ardoise? C'est bon, voilà. Abdelrazak, hey, Abdelrazak, tu vas corriger. Hey. Ce chat a faim, mais il... Afin, il miaule. Il miaule, il miaule. Qu'est-ce que j'écris ici, Abdelrazak? Ce. Pourquoi tu dis ce, ce n'est pas sept? Parce que mon chat moyen n'est pas. C'est un nom. C'est un nom comment? Masculin. Masculin, hein? Singulier. Singulier, hein? Autre chose qui commence par une. Par quoi? Qui commence à une. Vowel. Voyelle. Est-ce que c'est une voyelle? Non, par une consonne, consonne. Consonne. Donc, on a dit, j'utilise ce avec ces E devant un nom masculin singulier qui commence par une consonne, consonne. C'est clair? Oui. Voilà. Phrase 4, vite. Phrase 4. Voiture roule vite. Là, je vais voir. Levez les ardoises. Voilà, c'est bon. Aïe, Tasnim. Ces voitures roulent vite. Parce que le nom voyelle est... C'est un nom comment? Voiture, c'est un nom comment? Au pluriel? Au pluriel. Au pluriel. Donc, j'utilise c'est puisque voiture, c'est un nom au pluriel. Que ce soit féminin ou bien masculin, toujours j'utilise... C'est un nom féminin pluriel. Bravo, c'est un nom féminin pluriel. Histoire est très triste. Allez-y. Histoire. Et très triste. C'est moi, Mariam. Ah, il y a les ardoises des autres, puis on va voir, Mariam, qu'est-ce que tu vas faire. Attendez, Mariam, je vais voir les ardoises de tes camarades, puis tu vas corriger. Ah, les autres, levez les ardoises, et lève ton ardoise. Ah, et Ryan, lève ton ardoise. Ah, oui, Ryan. Ryan. Aide. Ardoise. Aide, monsieur. Il est... Ton ardoise. Aïe, Marie, Marie. Oui, monsieur. S-E-T-E. C'est. Ce n'est pas S. Voilà. C-E-T-E. Pourquoi je dis 7, je ne dis pas ce, ou bien 7 avec un seul T? Pour. Blhash. Regarde ici. Histoire, c'est un nom comment? Féminin ou bien masculin? Féminin. C'est un nom féminin. Féminin, c'est un nom féminin. Voilà, c'est un nom féminin. J'ai dit une histoire. Cette histoire est très triste. La dernière, je ne suis pas de avis.
Ouais. C'est juste, monsieur. Monsieur Ryan, monsieur. Monsieur Mariam. Aïe, élève. Élève va corriger. Aïe, élève. Oui, monsieur. Élève. Je ne suis pas de cet avis. Pardon. C'est E. De cet avis, hein? Hein? C'est E. T. T, bravo. Pourquoi je dis C-E-T, ce n'est pas C-E seulement? Parce que, oui, élève. Élève. Oui, monsieur. Pourquoi je dis sept, je ne dis pas ce? Parce que... Avis, hein? Avis... Commence. Commence de... Par une, par quoi? Par une voyelle. Par une voyelle. Parce que le mot avis... Une voyelle. On a dit les noms masculins singuliers qui commencent par une voyelle. Devant les noms masculins singuliers qui commencent par une voyelle, je mets 7 avec C-E-T. C'est clair? Oui, c'est clair. Est-ce que vous connaissez les voyelles? Performe les voyelles ou ne performe? Oui, V, Z. Quelles sont les voyelles? A, V, O, Y, attends. E, combien de voyelles? Monsieur, moi, Mariam. Aïe, Marie. Six. Adam. Adam, répète les voyelles. Adam. Monsieur, moi, Marie, monsieur Schnabel. Allez-y, Marie, maï. O, U, Y, I. Donc, Anne. Combien de lettres de l'alphabet français? Combien de lettres? Oui, Ed, allez-y, répète, Ed. Oui, Ed. Y, I. Alors, les six voyelles et les autres 20 consonnes. Khemesh l'alphabet, on a fait 26 lettres, hein, voilà. Donc, voilà les voyelles. Voilà les voyelles. Donc, les noms masculins qui commencent par ces voyelles, devant ces noms, j'utilise cette. Comment les mots ont des voyelles? Voilà les voyelles. A, O, ou E, ou U, ou Y, ou I. Ce sont des voyelles. Donc, les noms masculins qui commencent par ces voyelles, devant ces noms masculins qui commencent par ces voyelles, de ces voyelles, je mets 7. C'est clair? Oui. Alors, tu entends les voyelles, mais tu ne les entends pas. Je ne les entends pas. Je vais vous capter le cran, si vous voulez. Hein? Oui. Monsieur, Comment vous dites voyelle en français? Pour commencer un mot, A, O, E, U, Y, I. Femme, Adam. Lorsque tu as une femme avec l'arbre, qui t'a un nom masculin, commence par l'une de ces voyelles. A, O, U, Y, I.
directement, tu vas mettre cet avec insulté. C'est clair? Oui. Voilà. Oui, c'est clair. Voilà, essayez. Sept voyelles. Six voyelles. Six voyelles et 20 consonnes. Mais l'alphabet fait 26 haraf, hein, ou là? Oui, monsieur. Et il fait 6 voyelles et 20 consonnes. Oui. Voilà, bravo. كم فهمتوش حاجة راه نفهمكم قبل ما نتعدل حاجة أخرى سي كلير باهي اسكو كي فوقها أكسون كي نبداو نقارنو كيفاش؟ في الفوايل مثلا كي نلقاو فوقها أكسون إي 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 سيتي نفوايل سيتي نفوايل باغ إكزومبل روغاردي سي ها باش نعطيك إكزومبل ها إكزومبل روغاردي لو مو كي لي سمو إليف Élève, qu'est-ce que j'ai dit? Si j'utilise un pronom indéterminant possessif démonstratif, qu'est-ce que j'ai dit? Cet élève, cet élève. Cet élève, c'est clair? Oh, oui. Accent aigu. Mais c'est une voyelle. Cet élève, je ne peux pas dire ce élève. On ne peut pas dire ce élève. Je dis cet élève. C'est clair? Oui, c'est clair. Merci. Ah, merci. Donc, l'exercice 2 qui va lire la consigne? Monsieur Tassini. Ah, Monsieur Mamadou, ajoute un nom à chaque phrase. Ajoutez un nom à chaque phrase. Regardez. Sept et imprudent. Ces ont été plantés dans le jardin depuis 2 ans. Sept est très sympathique. Ce est facile. Allez-y, essayez d'ajouter. Monsieur. Allez-y, réfléchissez un peu, puis vous allez répondre. Je vous donne quelques minutes. Donc, pour la première, c'est-à-dire vous allez ajouter un nom masculin singulier qui commence par une voyelle. Voyelle. Qui commence par une voyelle. Faites attention, le 7. Monsieur. Ah, ça y est. Ah, qui donne un exemple pour la première phrase? Ah, et Marie. C'est très. Cet ami. Cet ami, cet ami. Voilà, cet ami. On peut dire cet ami. Bravo. La première, on peut dire cet ami. Ou bien, cet ami est imprudent. Ou bien. Qui est un autre mot? Un autre nom? Chat. C'est chat. Non, parce que chat, ça commence par une consonne. Si on ajoute un nom masculin, singulier, qui commence par une voyelle. Cet ami. Hein? Cet enfant. Voilà, bravo. Cet enfant. Ou bien. Autre exemple. Hein? C'est un exemple. Cet élève. Hein? Bravo. Élève. Bravo. Je peux dire aussi cet élève. Cet élève. Donc, l'essentiel, un nom masculin singulier qui commence par une voyelle. Regardez, ami. A. A. Mi. Il a, a les voyelles. Voilà, E, voyelle. Et F. Et aussi, c'est une voyelle. Deuxième phrase. Ont été plantés dans le jardin depuis 2 ans. Déjà, C'est. Jardinier. Ont été plantés. Ont été plantés dans le jardin. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on plante dans le jardin? Hein? Des arbres.
Voilà, ces arbres. Bravo, on peut dire ces arbres. Ces arbres. Rien. Rien, voilà, ces arbres. Ces arbres ont été plantés dans le jardin. Oh bien. Fleurs. Fleurs, si j'ai des fleurs, regardez, plantées. Non, un fleur, c'est un les nom. Fleurs. Les fleurs. Non, on ne peut pas dire fleurs, puisque planté à la fin, E accent aigu, S. Donc, j'ajoute un nom masculin au pluriel. Ces arbres. Ces arbustes. Voilà, on peut dire aussi ces arbustes ont été plantés dans le jardin depuis 2 ans. Troisième phrase. Cette est très sympathique. Et cette chien. Cette chienne. Cette chienne, bravo, ou bien. Cette chatte. Cette chatte, sahih, ou bien. Cette amie. Cette amie, ou bien. Cette fille. Cette femme, cette fille, bravo, je puis cette femme est très sympathique. Comment va cette fille, cette femme, cette fille est très sympathique. Monsieur, sympathique. Oui. Comme... Hey, c'est ça. Oui, c'est très sympathique. Il est très sympathique. Oui. Calme, facile. Moyen. Hein? Je vais vous dire. Voyelle ou bien par une consonne, c'est clair? D'accord. Oui, monsieur. Ah, bravo. Ah, la dernière phrase est facile. C'est facile. Mmh. C'est donc j'utilise un nom masculin ou bien féminin? Masculin. Ce nom masculin commence par quoi? Par une voyelle ou bien par une consonne? Une consonne. Okay. Allez-y. Ce facteur. Là, facteur, est-ce que je dis ce facteur est facile? C'est quoi? Monsieur, ce devoir. Bravo, ce devoir. Sahid. Qui a dit le mot devoir? Fatma. Ah, Fatma, bravo, ce devoir est facile. Ce examen. Ce texte, on peut dire aussi. Ce texte. C'est clair, facile. Hein? Le contraire de mot facile, c'est quoi? Non, sympathique. Non, le contraire de facile, c'est difficile. Si. Difficile, ça y est, c'est difficile. Clair. Voilà, ce devoir est facile, ou bien ce texte est facile. Donc, j'utilise ce devant un nom masculin singulier qui commence par une consonne. C'est clair? Oui. فهمتوا هذا ما فهمتوش كم فهمتوش خلينا نعاودك سي كلير مسيو انا مريم ما فهمتوش انا ما فهمتوش يا مريم ترى نعاود لك لا الاخراني ريغاردي فاسيل فوالا لو دووار بار اكزومبل اون بي جي دي دووار او بيان اكزامان فهمتني بنتي دونك فاسيل سي فاسيل افير جي في ريبوندر تري فيت او كيسيون باسكو لي كيسيون سون تري فاسيل. Le contraire de mot facile, c'est difficile. C'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Donc, j'utilise ce devant un nom masculin qui commence par une consonne. Regardez, le mot devoir commence par D. Et D est une consonne. Je vais colorer le D. Texte. Un texte, elle commence par T et le T, c'est une consonne. C'est clair? C'est pour cela que je dis ce. Si ces mots commencent par des voyelles, j'ajoute le T. Pour le T, il est là. Femme-là? Oui. Bravo. Voilà. Voilà, on va faire ça. Monsieur, oui. Tu as les adjectifs, ma femme-tange. Ça, on a dit qu'on a voilà, c'est un adjectif. Ce n'est pas un adjectif. C'est un adjectif, mais il vient après le verbe. Le verbe, quel verbe? C'est quel verbe? Être. Les adjectifs qui viennent après le verbe, on les appelle attributs du sujet.
attribut qui décidé attribut معناها supprimant et non non on ne peut pas le supprimer mais il vient après le verbe être après le verbe d'état ça s'appelle un attribut décidé on a vu comment les حصه ونفهمكم عليه بالضبط بالكده واضح OK. Facile aussi, c'est un attribut de CG parce qu'il vient. Hey, t'as accru, le module 3. Qui tous le module 3, mais t'accru. Qui tous le module 3, mais t'accru. Hey, كملت الموديل 2. انت قريته في الديتيرمينون ديمونستراتيف. Hey, في الموديل 3 t'accru. هذا توك تous le module 3, تونا فهمكم عليه. D'accord. Oui, d'accord. Maintenant, on va écouter une. Vous allez regarder cette vidéo. On va puis on va revenir à un exercice. C'est clair? Oui. Les enfants. Oui. Ça va? Oui. Ben, on revient. Oui. Ben, on revient à cet exercice. Maintenant, on va produire des phrases. Qui va lire la consigne? Qui lit la question? Monsieur.
Oui, Tasnim. Oui, Tasnim. Regarde les images et produit, elle est produit. Produit des phrases et en employant. C'est sept. Voilà. Regarde, produit. Ce sont des verbes à quel temps? À l'impératif. Bravo. À l'impératif. Ce sont des verbes à l'impératif. À l'impératif. Donc, ici, ces trois verbes sont utilisés avec ti à l'impératif. Mais à l'impératif, on n'écrit pas le pronom personnel. Ben, pour la première phrase, allez-y, regardez et vous allez faire une phrase. Vite, c'est les cahiers, vite. Que fait la fille? J'utilise un déterminant démonstratif. Ça y est? Écrivez une phrase en employant l'un des déterminants. Ce, cet, avec un seul T, c'est au pluriel, bien cet avec deux T. Ah, ça y est. Qui va lire sa phrase, hein? La première phrase. Monsieur, ah. Monsieur Mariam, n'aqra' aw jumla. Allez-y, Mariam. Cette petite fille joue à la corde. Bravo, bravo. Qui a notre phrase? Moi, monsieur. Aïe, qui? Il est. Aïe, il est, voilà. Cette fille joue à la corde. Cette fille joue à la corde. Qui a notre phrase? Donc, pour la première, j'utilise un déterminant démonstratif. Cette, S-E-D-T-E. Bravo, cette petite fille. Hein? Oui, Mariam, joue. Cette joue à la fin quoi? Cette fille joue. À la corde. Bravo, à la corde. Donc, cette petite fille joue à la corde. Où est le verbe ici, Mariam? Le verbe joue. Joue, à la fin joue. Quoi, joue? Joue à la fin E. Pourquoi à la fin E, je ne dis pas E, un T? Pour singulier. Parce que le sujet au singulier. Allez-y, maintenant la... Voilà. Deuxième phrase. Ah, évite. Monsieur Ryan. Attendez vos camarades. Vos camarades, ils sont en train d'écrire la phrase. Donc, là pour la deuxième phrase. Donc, Ryan. Monsieur, ce petit garçon joue avec le ballon. Répète, Ryan. C'est. Ce petit garçon. Regardez, ils sont deux. Qu'est-ce que je dis ici, Ryan? C'est petit garçon. Petit à la fin quoi, Ryan? S. Avec S. Pourquoi S?
pour deux. Monsieur, khatir j'aime. Garçon au pluriel. Au pluriel. Au pluriel. Vous jouez à la fin quoi, Ryan? Avec un T. Pourquoi un T? Oh ben non. Elle khatir il. Hein? Il jouait. L-E-N-T. Parce que le sujet, le sujet au pluriel. Au pluriel, bravo. C'est petit garçon. Voilà. Ah, la dernière phrase. Monsieur, la une autre phrase. Allez-y, oui. Ces garçons font le match. Font un match. Font un match. Monsieur, un match. Les deux garçons. Ah, oui, Marie, oui. Elle accepte les deux garçons jouent au ballon. Ah, oui, le déterminant démonstratif qui était utilisé, monsieur Marie. C'est clair. Donc, toujours, je dois utiliser un déterminant démonstratif. Ce garçon, hein? Ce garçon regarde la télé. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait encore? C'est télévision. Monsieur télévision, c'est un garçon. Hein, ce garçon. Ce garçon regarde la télé. La télé. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il. Il mange. Il mange le. Non, what? Des pains ou bien un sandwich? Regarde sur la télé. Un sandwich ou bien des pains? Aïe, Abdelrazak, tu as une phrase? Monsieur, moi, Ryan, monsieur. Oui, monsieur. Attendez, Ryan. Attendez. Attends ton camarade. Oui, Abdelrazak. Ce petit garçon regarde des programmes de dessins animés. Les dessins animés, bravo. Et le petit, il mange des pains, bravo. Aïe, Ryan. Monsieur, ce garçon regarde la télé et mange un petit sandwich. Un petit sandwich. Donc, on peut dire ce garçon, pardon. Ce garçon. Hein, ce garçon. Regarde la télé. Regarde. Monsieur, regarde, monsieur. Regarde ou bien garçon? Non, garçon, monsieur. Garçon, on a corrigé le mot garçon. Regarde les dessins animés, hein? Et mange un petit sandwich. Et il mange. C'est une phrase complexe. Il mange. Il mange des pains ou bien un petit sandwich. Il mange des pains ou bien un sandwich. Donc, les deux sont justes. C'est clair? Donc, ici, j'utilise le déterminant démonstratif ce garçon parce que garçon commence par une consonne. Je ne dis pas cet garçon puisque ce garçon le mot garçon commence par une voix consonne. La lettre G, c'est une consonne. C'est clair? Oui, monsieur. Ben, donc, normalement, on a... Corrigé. Regarde, tu fais le partage, voilà. Oui. Voilà. Oui, mais c'est très rare, on a écrit. Ben, écrivez. Attends, monsieur. Oui. Monsieur, non, je ne traduis pas la balle. هذه هكا وي وي مسيو هانيزي باهي دزيام تو وي 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 فوالا فوالا لا دزيام جيرفيان سي بون وي وي باهي فوالا لا دزيام باش Monsieur, les vidéos. Ben, vous voulez la vidéo? Oui. Ben, allez, chauffe-toi la vidéo. Ben, ça y est? Oui. Ben, on va voir la vidéo, hein?
Oui, ça va? Oui. Ben, donc, cette vidéo parle de l'amitié et du respect des autres. Ben, regardez, faites attention, je répète. Donc, pour les déterminants démonstratifs, on a cinq déterminants démonstratifs. Donc, ça, c'est la récapitulation de cette séance. Donc, le ce, j'utilise ce devant un nom masculin singulier qui commence par une consonne, cet avec un seul T. Oui. Ben. Sept avec un seul T. Oui. Qu'est-ce que mon fils, Mao? Oui, monsieur. Ben. Oui, monsieur. Ça, c'est un résumé. Ça, c'est un. Ben. Ça, c'est un résumé pour la séance. Sept devant avec un seul T devant un nom. Masculin singulier qui commence par une voyelle, c'est-à-dire qui commence par A ou bien E ou bien U ou bien O ou bien U ou bien I. Et un nom féminin, j'utilise sept. C'est devant un nom féminin ou bien masculin, que ce soit au pluriel ou bien que ce soit au féminin ou bien au pluriel. L'essentiel de ce nom doit être au pluriel. Au pluriel. Ben, la prochaine fois, regardez. Vous avez ce tableau. Marjorie, je vais me le dicter. C'est clair? C'est clair? Voilà. Vous pouvez prendre capter l'écran. Khodo 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 capter l'écran. Ben, regarde la consigne. Je lis les syllabes. Vous avez 10 syllabes. Dans ce tableau, vous avez 10 syllabes et des numéros. Oui, vous allez former des noms, des mots. C'est clair? Par exemple, là, je n'ai qu'exemple. Le 2 et le 5. La syllabe numéro 2, c'est quoi? Sous. Ou 5. Ou 5. Ensemble. Quel mot? Soudain. Soudain. Bravo. Ça nous donne le mot soudain. Soudain. C'est clair? Oui. Donc, vous allez travailler ça à la maison. Parce que la prochaine fois, on va faire de la dictée. Je vais vous dicter le marché. C'est clair? Dictée, d'accord. Dictée, c'est le marché. Vous avez l'examen, vous avez dicté. Vous dictez sur 4 points. Vous avez fait l'examen. Alors, on va les Monsieur, faire. Madame. Oui. Moi, je suis à la 14 novembre. Ah. يعني تحس اني بعد نجم نبدا نحضر معناتها شوي اي نجم نحضر هذا الكل تحضير شوفوا الكلمات اللي باش نعطيهم لكم هذوناي في التابلو هذا راهم يجوا منهم في الديكتي والديكتي في الامتحان سير 4 بوان على 4 نقاط سي كلير احنا باش نعملوا الديكتي اي ها باش نعملوا الديكتي احنا باش نعملوا نمل عليكم نص وبعد باش نصلحوه مع بعض سي كلير داكور سي كلير دونك اليوم عملنا ديكتي حتى اليوم ديما نحفظوا في الكلمات ها مش نعطيكم كلمات دونك الكلمات اي الكلمات اللي باش تكتبوها مش تحصلوا عليهم راهم ديما يكتبوا بالطريقه هذيك ما يتبدلوش انه شانجو با دو فورم سو سون دي مو ان فاريابل يعني لازم تحفظها باركور لازم تحفظها سي كلير وي ديما سودان ديما سودان توجور بوكو الور سو سون دي مو كي نو شانجو با دو فورم في السنجلي في البلوريال اي نو شانجو با دو فورم سو سون دي مو ان فاريابل invariable que ne change pas de forme et on va faire de la dictée et on va corriger ensemble la dictée c'est clair oui mais donc je vous laisse et je vous dis bonne nuit عجبتكم الحصه ولا ما عجبتكمش oui عجبتكم merci beaucoup ben فهمت التوضيح ديترمينون ديمونستراتيف فهمتوا بالكدي تو كيفاش وقتاش نستعمل ديترمينون ديمونستراتيف ولا oui monsieur والمرة الجاية باش نشوف الديكتي ونزيد المرة الجاية باش نفهمكم على الديتيرمينون بوسيسيف ما هو عندنا ديمونستراتيف شنو الديكتي مسيو؟ نعم؟ مسيو شنو الديكتي؟ ها تو تشوف المرة الجاية الديكتي تو نشوف الديكتي سمحة برشا نعم عندي سؤال يا أخي شو اسمه لونغ هاي لمدينة تروات داخلة في اللونغ أنت في الامتحان هاي أسأل عند تقرأ عند أنستك ولا عند سيدك في الفرنسي؟ شفنا المدام ما هي المدام اسال انستك وكي تقول لكم داخله في الامتحان تو نزيدوا نحضروا على الموديل 3 واضح؟ اما نتصور تجيب لكم على الموديل 1 وال 2 اي هذيك اكيد اكيد انا احنا تبعني مليح احنا تبعناه من الموديل 1 وال 2 بالوحده بالوحده وقريتهم لكم بالواحد بالواحد يعني يكفي تراجع شوي وكهو
Monsieur, au fait, monsieur, عندي سؤال monsieur. تفضل. Monsieur, أخي وفدت الحصة ولا مازالت؟ أمس قلت حصة واليوم حصة، تو السبعة وربع تو، فهمتني؟ وي دونك أنتم على ميزون، هاو كيفاش باش تعملوا؟ على ميزون فوز اللي ترافايي سيت إكزارسيس، سي كلير؟ فوز اللي كومبوزي دي مو أبارتير دي سيلاب، باش تعمل الكالكيل وتتحصل على السيلاب. إي أو بري أون فا كوريجي سي مو سيت إكزارسيس. La prochaine fois, puis on va faire de la dictée. C'est clair? Oui, monsieur. Soudain, monsieur. Hey, soudain, je vais vous un exemple. 2 plus 5, le 2, c'est sous. Le 5, c'est d'un. Soudain. Non! C'est clair? Alors? Oui, c'est clair. هذا الاكزرسيس بالله حاولوا باش تخدموه في الدار باش المره الجايه نربحوا شويه وقت باش نخدموا اكثر من هكا التمارين واضح؟ ميرسي بون نوي ولي على بروشين هذا بروشين اوروار اوروار ميرسي اوروار ميرسي 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 اوروار C'est bon, on en croche. Oui, oui.